Mais ça fait 3 heures que c'est bon. Ah! Le temps passe vite, vous savez. Bon. Chers amis, je vous présente malheureusement mon cher Alex. Malheureusement, enchanté. Du NGI qui est là dans notre bel endroit, belle forêt qu'il va pouvoir visiter cette nuit. En ma compagnie. Je vous laisse imaginer toutes les cochonneries qu'on va faire. Je dois y aller. Non, ah bah ça y est, il veut partir. Ah bah voilà, tout de suite. Je vais pouvoir lui faire goûter à l'eau du lavoir. Oh, t'as 5 minutes. Et celle derrière la caméra, elle est chiante. Hein. Tu trouves aussi? Tu la connais? Ouais, je la connais. Mais elle me rassure un peu plus quand même. Ah, bon. On va bien avouer que... D'accord. C'est pas normal tout ça. Et je finirai avec mon cher ami Alex. Vous allez voir en fin de vidéo, vous allez rire. Notre cher ami Tita qui a la caméra dans les mains. Qui est là juste. Oui, bah, je vais le tuer, c'est mort. Ça y est. Je précise au cas où. Je suis pas avec ce fou furieux, moi. Il s'est là, abandonné. Que lui, il est là juste pour suivre Alex. Donc on lui fera rien ce soir. Comme il faut bien qu'il filme et qu'il rapporte les films à la gendarmerie. Voilà. Pour qu'on se connaît un peu. Mais par contre, vous voyez, mon cher ami Alex, je vais m'en rapprocher un peu plus. Il y a un côté d'un lavoir qui peut être très dangereux. Comme ce lavoir détient un peu de l'histoire de notre cher ami le pêcheur. Et notre cher ami, c'est vrai que vers les 3h du matin, il se balade dans le manoir. Ah, c'est pour ça. Et du coup, il... Oui, c'est pour ça le filet. C'est son filet, il l'a perdu. Il va le rechercher. Et du coup, notre cher ami Alex, il le rencontre, pourra peut-être finir dans le lavoir, comme pas mal de nos hôtes, de nos participants qui viennent. C'est des choses qui peuvent se passer. Mais là, le problème, vous voyez, il n'est pas avec nous, comme il n'est pas 3h du matin. Donc si on faisait une vidéo qui peut être vue par pas mal de gens, donc... Un Alex dans le lavoir. J'ai mon téléphone. Ah, vous avez de la chance. Je suis généreux quand même. Oui, il est gentil. Avec tout le monde. Je suis pas méchant, c'est pas moi qu'il faut craindre, c'est ceux du manoir. Ah. Et les esprits que le NGI vient chercher. Voilà. Moi, c'est eux qui m'ont. Du coup, ce soir, pas de personnages. Si vous avez des lives ou des trucs comme ça, vous verrez personne pour une fois. Juste l'équipe du NGI qui vient chercher les esprits qui sont très très nombreux actuellement. Comme il faut savoir que plus vous venez, plus ils sont actifs. Du coup, notre cher ami Alex est venu voir ce qui se passait et pourquoi ils étaient aussi actifs en ne voulant pas communiquer avec nous. Donc, est-ce qu'on aura des réponses? On l'espère. C'est la seule chose qu'on espère. Il fait des bruits bizarres en même temps. Moi je vais pas le dire. Rassuré, hein. Je fais des couches moi ce que je veux. Non bah maintenant, fritou. Youhou.